Dans un monde où les puissances militaires jouent un rôle crucial dans la géopolitique, l'attention se porte souvent sur les pays les plus puissants en termes de forces militaires. Les États-Unis, la Russie ou encore la Chine sont ainsi mis sur le devant de la scène. Pourtant, certaines armées ont des puissances militaires bien dérisoires. Mais qui sont ces pays? Et pourquoi la puissance de leur armée ne semble pas être leur priorité? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo en explorant les facteurs qui contribuent à leur position et les implications pour leur sécurité nationale et régionale. C'est parti! Une puissance militaire mondiale est définie comme étant un État dont la capacité militaire est significative et dissuasive. Elle doit être en mesure d'influencer les relations internationales par l'utilisation ou la menace d'une force militaire. Elle doit donc pouvoir avoir un impact sur la sécurité et la stabilité régionale et mondiale. Les critères utilisés pour déterminer quel pays est susceptible d'être une puissance militaire peuvent varier. Cependant, certains indicateurs sont couramment utilisés. Il y a par exemple les dépenses militaires annuelles qui permettent de définir la capacité d'un État à financer et à maintenir leur armée. Les pays qui consacrent une part importante de leur budget aux dépenses militaires sont souvent considérés comme ayant une puissance militaire plus élevée. C'est notamment pour cela, par exemple, que les États-Unis sont la première puissance mondiale, mais c'est également le pays avec le plus gros budget militaire. Mais ce n'est pas le seul critère pris en compte pour mesurer les armées les plus puissantes. Il y a également la taille des forces armées, c'est-à-dire le nombre de soldats actifs et réservistes dans tous les départements militaires d'une nation, comme la marine, l'armée de terre ou encore l'armée de l'air. Les avancées technologiques sont également très importantes, ainsi que la capacité de projection de force. C'est-à-dire la capacité d'un État à envoyer sa force militaire dans un autre pays que le sien, comme à travers des opérations de maintien de la paix ou des missions humanitaires. Bien sûr, le nombre d'ogives nucléaires est également à prendre en compte. Mais alors, qui sont les pays à l'armée dérisoire? Numéro 1, le Bhoutan. Le Bhoutan est considéré comme la puissance armée la plus faible au monde, et ce pour plusieurs raisons. Le Bhoutan est un petit pays, enclavé entre l'Inde et la Chine, deux des plus grandes puissances militaires du monde. Cette situation géographique limite le Bhoutan à développer une grande puissance militaire. Surtout que les tensions entre ses deux voisins font rage à la frontière, dans l'Himalaya. Sa puissance militaire s'appelle l'armée royale du Bhoutan. Elle inclut la garde royale et la police royale. Il est difficile d'avoir un chiffre précis de ses effectifs, mais il serait aux alentours de 15 000 membres. Son budget annuel est d'environ 13,7 millions de dollars, soit 1,8% du PIB du pays. N'ayant pas accès à la mer, le Bhoutan n'a pas de marine, mais le pays n'a pas non plus de forces aériennes. Ainsi, son armée de terre dépend du commandement de l'Est de la Force aérienne indienne pour les actions aériennes. En fait, l'armée indienne a la responsabilité de l'entraînement et de l'équipement de l'armée royale du Bhoutan. Cette dépendance limite donc la capacité du Bhoutan à développer une puissance militaire autonome. De plus, le pays a d'autres priorités. En effet, il est connu pour mettre l'accent sur le bonheur national brut plutôt que sur la puissance militaire. Cela signifie que les ressources du pays sont davantage orientées vers le développement social et économique. Numéro 2, la Moldavie. En deuxième position, nous avons la Moldavie. Les forces armées de Moldavie se composent de l'armée nationale, elle-même composée des forces terrestres d'environ 6000 hommes et des forces aériennes d'environ 1300 hommes. La marine moldave, quant à elle, est composée d'environ 150 hommes qui opèrent sur le Danube et le Dniestre. Il faut savoir que la neutralité du pays est inscrite dans sa constitution. Cela signifie qu'il n'autorise pas le déploiement de forces armées d'autres États sur son territoire. De plus, cette neutralité l'empêche d'adhérer à des organisations militaires comme l'OTAN ou l'OTSC. Cependant, elle est connue pour coopérer avec l'OTAN dans de nombreux domaines, notamment pour soutenir ses efforts de réforme et de modernisation de ses structures et institutions de défense et de sécurité. Cependant, ces dernières années, l'armée est sous tension. En avril 2022, le pays a annoncé prendre des mesures pour renforcer sa sécurité après qu'ait eu lieu une série d'explosions dans la région séparatiste de Transnistrie, appuyée par Moscou. Cela a fait craindre un débordement du conflit actuel en Ukraine. Ces mesures passent notamment par le renforcement des contrôles routiers et des patrouilles frontalières. Ensuite, en novembre 2023, on apprend que la Moldavie a réceptionné un premier lot d'équipements militaires donné par la France. L'objectif est de renforcer la coopération de défense entre les deux pays. Ce lot comprend de l'équipement individuel, des armes d'infanterie légère et des munitions.
On apprend ensuite que ce matériel assurera la comptabilité de l'armée moldave avec les armées de l'Union européenne et de l'OTAN dans le cadre d'exercices et de missions conjointes. Cela permet aussi de contribuer à la modernisation des capacités militaires moldaves, qui est régulièrement confrontée à des tentatives de déstabilisation orchestrées par la Russie. Ensuite, en mars 2024, la France noue un accord de défense avec la Moldavie qui vise l'ouverture d'une mission de défense permanente afin de travailler plus efficacement au renforcement des relations des deux pays dans le domaine de la formation, de l'entraînement et de l'interopérabilité. Selon Emmanuel Macron, cela est seulement la première étape. En effet, des coopérations dans la lutte contre la désinformation et les cyberattaques devraient également voir le jour. Numéro 3, le Suriname. En troisième position, nous avons le Suriname. Situé en Amérique du Sud, ce petit pays est frontalier du Guyana à l'ouest, du Brésil au sud et de la France avec la Guyane française à l'est. Bien sûr, comme il est un petit pays avec une population limitée, son armée est relativement petite. Elle est composée d'environ 2500 personnes qui font principalement partie des forces terrestres. Ces dernières regroupent un bataillon d'infanterie, une unité des forces spéciales, une unité de police militaire ainsi qu'une unité de soutien logistique. Le pays possède également une petite force aérienne qui disposait, en 2016, de 3 hélicoptères indiens HAL Chetak. Quant à l'armée de mer, elle est composée de la marine et des gardes-côtes nationaux. Le Suriname se montre assez proche de la France au niveau militaire, à travers la modernisation des forces armées locales. Par exemple, en décembre 2023, 300 FAMAS, un type de fusil d'assaut, sont livrés aux forces du Suriname. En tout, la France a livré divers matériels militaires pour une valeur d'1 million d'euros aux forces armées surinamaises. La France souhaite également accompagner le pays dans diverses formations opérationnelles, techniques et de sécurité. Il est prévu une livraison complémentaire avec du matériel type ceinturon ou encore des brêlages militaires légers. Numéro 4, la Somalie. Le dernier pays de cette liste est la Somalie. Le pays est connu pour ses conflits internes et son instabilité politique. Les tensions politiques croissantes menacent donc la construction de l'État et la sécurité. Cela fait des années que l'armée somalienne est très fragile. D'ailleurs, elle est incapable de conduire des opérations efficaces ou de subvenir à ses propres besoins. Ainsi, en 2017, les États-Unis suspendent une grande partie de leur aide à l'armée somalienne car Washington soupçonne que son aide est largement détournée par la corruption. Cette décision avait été prise après que des officiels mandatés par Washington se sont rendus dans 9 bases militaires somaliennes pour vérifier l'utilisation de l'aide américaine. Ils ont alors découvert que plus de 80% des soldats étaient absents. Et le peu d'entre eux présents manquaient de nourriture, d'uniformes, d'abris, de véhicules et d'essence. Cependant, l'armée recevrait l'aide d'autres pays. En effet, en mai 2024, Amnesty International met en avant que l'armée somalienne a tué 23 civils, dont 14 enfants, à l'aide de drones turcs. Il ne faut pas non plus oublier que l'armée est actuellement en conflit avec les Shabab, un groupe d'islamistes radicaux, et ce depuis 2007. Ces derniers tentent de renverser le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, et d'instaurer la loi islamique. Une offensive est menée depuis août 2022 dans le centre du pays, avec l'appui aérien de l'armée américaine et de la force de l'Union africaine. Tu sais maintenant tout de ces armées les plus faibles. Leurs capacités limitées sont souvent le reflet de choix délibérés ou de contraintes inévitables, qu'elles soient économiques, géographiques ou politiques. Alors que certains de ces pays compensent leurs faiblesses militaires par des alliances stratégiques et une diplomatie active, d'autres doivent naviguer dans un environnement international complexe avec des moyens limités.